ce moulin a été monté par mon grand-père en 1903. Et depuis, mon fils est la quatrième génération à s'y succéder de Noël. Depuis maintenant 30-40 ans, nous avons pris le virage du bio et nous faisons des farines biologiques, farine de blé et farine de sarrasin. Le moulin de Quincampoix est situé sur la rivière Le Couesnon, qui est la rivière qui se jette au Mont-Saint-Michel. Et donc, il est également mu par, par la force hydraulique du Couesnon. Ce ne sont plus des roues à aubes qui l'actionnent. Il a été monté une turbine hydraulique en 1923. Et depuis, cette turbine est toujours dans son emplacement et actionne le moulin. Alors, ici au rez-de-chaussée, on remarque d'abord une ligne d'arbres, c'est-à-dire ce qui entraîne tous les autres appareils. Et il comporte plein de, comme vous pouvez voir, plein de poulies et de courroies qui entraînent le mouvement de tous les autres appareils aux différents étages en haut. Et le personnel de l'autre côté qui est à l'ensachage des sachets qu'on fait beaucoup en sachets, on fait beaucoup de sachets d'un kilo et de 500 grammes. Je pense que la qualité de nos farines tient beaucoup au fait que nous travaillons d'une façon très lente et donc sans échauffement. Et ça permet au grain de ne pas être stressé parce que c'est tout de même une matière vivante. Et ce que je veux dire que quand on n'est pas stressé, que ce soit un grain ou nous-mêmes d'ailleurs, ça se ressent ensuite dans la qualité finale.